veut nous sauver, que nous les illégrés, hein, nous les illégrés, on voit être dans tout paradis, tous les boulots qui sont sur la toile, et on voit être intellectuel. Et maintenant, on va encore dire que ton doctorat, est-ce que c'était, tu as eu ton doctorat le dimanche, et bon, Giacomo, bon, bien, on sonne là, tu nous fais honneur. Au son. Je vous dis que mes bébés, je ne vois même pas la décoration, si c'est tellement si magnifique. Maman, est-ce qu'il y a du granit? Chez moi, c'est du granit. Maman, mieux tu prenais même la photo, tu disais à ma soeur, envoie-moi les photos, je pense aussi là que c'est chez moi. J'allais t'envoyer les photos. Et qui est? Maman, si vous regardez, si vous tapez les groupes de pergola, un jour j'ai vu que quelqu'un avait posté, je pense une entreprise, j'ai seulement laissé, européenne, ils ont volé l'image de chez moi pour dire que c'était eux. Pourtant, je ne connais même pas la société là. Je pense que ce sont les gens qui venaient souvent faire des dédits ici. Carrément, c'est sur Google chez moi. Ah, malin. Tu dis que je porte les faux sacs. J'avais du faux de la tête. De la tête aux pieds. Comment mon petit sœur, d'aller. Sachant que je mets du granit qui coûte plus cher que. Peut-être que c'est deux sacs ou trois sacs Hermès. Le granit que j'ai mis, c'est ici, là, rien qu'à ma cuisine. Ouais, ah, ça, c'est. En tout cas, on voit le champagne. C'est comme ça qu'on va souvent. Ah, tata, c'est vu ça. Je suis en train de pleurer. Bon, je sais que les gens se sont moqués de nous les petits boulots. Malin, donc intellectuel. Là-bas, hey, on sonne. Comment tu peux mentir? Parce que si c'était même encore le genre luxueux et tout, on allait comprendre. Mais je vois même que la décoration, même que cette femme-là, vraiment, les choses qu'on trouve dans les vitres grillées. Vraiment, au soin, notre intellectuel. Hein? Vraiment. Moi, je pompais l'air ici. Je disais que, au moins, les filles boulot ont une intellectuelle. Le français de ça. Donc, voilà, tu as continué. Je t'avais dit que, n'insulte plus Chantal Bia. Donc, voilà, alors la malchance que toi-même tu allais avoir. Parce qu'en plus, je ne sais même pas pourquoi tu as même filmé ça. Parce que tu étais sur le sujet que tu m'as insulté, Chantal Bia, que tu délires Chantal Bia. Il fallait rester sur le game là. Tu restes là, tu dis ta part, ce qui ça sort comme ça sort. Mais tu allais, je ne sais pas si c'est qui tu voulais, je ne sais pas, tu voulais montrer la maison là à qui. Hein? Je ne sais pas. Regarde comment tu viens avoir ta propre honte ici là, qu'au somme, qui m'a encore cru en toi. Même moi-même là qui te respectais jusqu'à. Qui te faisait des loges, malgré tout, hein, moi je te faisais des loges, malgré que tu m'avais insulté, moi je faisais toi des loges et tout. Je disais que voilà, une même dame comme ça que je peux me payer, elle me dirige mon affaire au Cameroun, elle a le SMIC français. Voilà. Qui va encore croire? Mieux moi-même, je m'avais dirigé ma paix, parce que la qualité, là, je suis dépassée à Malène. Malène! Oh. Je t'ai dit qu'elle n'insulte plus. La première dame, toi tu passes ton temps à l'insulter. Voilà alors les conséquences. Les gens qui t'encouragent, ils sont là. Tout le monde te fuit. Hein? Eux-mêmes, ils ont honte. Hein? La première dame a eu sa chance. Hein? Au lieu de féliciter, tu es toujours là, tu dénies. Et les prostituées ont fait ceci, les prostituées ont fait ceci. Tu as un problème avec les prostituées, toi. Et là, ma prostituée, ma ton boya. Hein? Je te dis, hein, au sol, la honte de ça. Tu manques, tu fais une photo. Je suis chez moi ici, à Malais. Tu dis que, attends, c'est que mes factures sont dans mon coffre. Vous savez que ici, là, nous sommes assurés. Donc, il faut protéger les factures. Même si que, attends, je pense, comme je suis en train de faire les. Je suis en train de classer certains documents. J'ai dû voir une facture de quartier, je te montre. Parce que quand tu achètes, tu viens dire au sol, on gongole. Ouais, je te montre, peut-être vous avez l'habitude d'acheter les choses chez en Turquie. Je ne porte pas du faux, parce que je suis assurée. Le faux, ça ne sert à rien.
Hein? C'est sûr que si on m'offre le faux, on ne veut pas dire non. Si on m'offre le faux, je ne dirai pas non. Ma chérie. Hein? Voilà. Voici, je te sors une seule petite facture. Cartier. Hein? Voilà. Cartier. 2013. Voilà ça. Un numéro du bijou. Je peux même sortir tout. Il n'y a rien de. Oui. Tu as vu? Cartier. Donc, si j'ai des Cartier, ce n'est pas un petit sac Hermès ou Chanel qui peut me dépasser. Et je te dis que ce sont les cadeaux. Parce que moi, sortir mon argent pour acheter des choses là, ce n'est pas moi. Les sacs que vous voyez là, les chaussures que vous voyez là, c'est les cadeaux. Vous avez compris, non? Je sais que ce sont les cadeaux. Toi qui es sûr que les arrière-grands-pères que moi j'ai là, ce sont les cadeaux Cartier. Tu as vu ça là même? C'est directement au coffre de la banque. Voilà. Facture, Cartier. Hein? J'ai comme ça là plein. Regarde, je te montre. Ouais, mais il y a les jambes, non. Je peux te rassurer, ma copine. Voici, j'ai plusieurs bijoux Cartier. Hein? J'ai les bijoux Rolex. J'ai les bijoux ceci là. Ça là, dès que je m'en vais, je dépose au coffre. C'est authentifié. Attendez, voici le tampon de Cartier. Le tampon. Voilà. Et ce sont les cadeaux, hein. Je vous parle pas. Ça, c'est même une vieille voiture, 2013. Hein? Attends, je cache. Je vais te montrer que c'est le cadeau. Hein, celle qui m'avait servi, celle-là, ce bijou, parce qu'il y a plusieurs. Tu vas à Place Vendôme, à Paris, tu tapes, tu vas voir tous les bijoux qu'on a achetés. Ce n'est pas moi qui ai acheté. Il y a ceux de 25 000 euros, ceux de 12 000 euros, ceux de 7 000 euros, ceux de... C'est comme ça. Voilà une que j'ai retrouvée. Et quand je fais les bijoux, là, c'est un... Une facture à mon nom, une facture aux deux noms. Parce que comme c'est la personne qui paye, c'est aux deux noms plus une facture à mon nom personnel. Tu as compris? Le même bijou a deux factures. Tu as compris, non? C'est comme ça. Hein? Tu as compris, ma chérie? Voilà. Hein? Voici une. Voilà ça. Hein? Celle qui m'avait servi, Natalia. Tu as compris, non? Voilà. Tu as vu? Le montant, il y a là. 12 000 euros, je te montre la même facture. Hein? La même facture. Attends, je cache le nom. Tu vas voir. Je cache le nom, mais tu vas voir. Attends. Tu vois là, non? C'est un homme. Regarde. La même facture. Voilà, monsieur. Tu as vu, non? Et comme tu connais mon nom, c'est quelque chose. Et tu as vu? Deuxième, c'est mon nom, non? Tu as vu, c'est la même, hein? Oui, oui, c'est question d'assurance. C'est question d'assurance. Ça, c'est question de paiement. Parce que vu que ce sont les gros montants, tu vas en rendre, ma chérie. Vu que ce sont les gros montants, donc, comme ce n'est pas moi qui achète, on fait pour eux, ils veulent la facture. Parce que vu qu'il faut justifier, c'est la personne plus mon nom qui apparaît. Et maintenant, ça, c'est pour l'assurance. Au cas où je perds. Attendez. On va mettre oui. Au cas où je perds le bijou, l'assurance me rembourse. Tu as compris, non? Donc, tu vois déjà, je pense que je peux même avoir les photocopies de certains là. Parce que quand je mets dans le coffre comme ça, je fais la photocopie avant. On ne sait jamais. S'il y a un vol un jour au coffre à la banque, j'ai quand même les photos. Je te sors les factures de mes sacs, les factures de mes chaussures. Je ne t'ai jamais dit que je paye ça. Je peux payer un petit bouton, 700 balles, 800 balles, c'est rien. Maximum 1000 euros. Hein? Donc, quand toi, tu passes ton temps à dire que tu m'avais vu à Paris, moi, je ne t'ai même pas vu, c'est sûr que je ne t'ai pas reconnu, et que je portais du faux de la tête aux pieds. Mais ma chérie, tu te crampes. Parce que rien que ça, ça achète deux petits Hermès. Tu as compris? J'ai comme ça la plainte. Et c'est assuré. Oui, oui. Deux factures à chaque fois qu'on m'achète quelque chose. Tu as compris? Je te donne un conseil. C'est ce qu'il faudrait faire. Parce qu'il faut pouvoir justifier. Tu as compris, non? C'est
C'est comme ça. Tu as vu, non? Ouais, ouais. Ce sont mes hommes. Tu as compris? Il y a le père de mes enfants qui offre. Il y a à moi. Lui, il m'amène qu'à la place Vendôme. Je choisis ce que je veux. Il y a Dada. Donc, tu m'avais dit que quoi, ma chérie? C'est la honte. Moi, je ne peux jamais faire que quelque chose qui m'appartient pas, je prends, je filme. C'est malheureux. Si j'ai une maison comme ça, ce n'est pas les sacs qui peuvent me dépasser à payer. J'ai ça plein. Les habits, c'est versé. Tout mes graissines, tu veux que je te montre? Rien que mon jacuzzi paye 3 sacs Hermès. Rien que mon jacuzzi qui est chez moi, dont je suis propriétaire, ça paye 3 sacs Hermès. Renseigne-toi. Tu tapes, non? C'est toi, le Colombo, inspecteur de Ric, tu tapes et tu vas voir. Ah, lorsque les gens vous dépassent, portez-leur un sac, ma chérie. Malgré tout, je te respecte. Hein? Je te dis, je ne peux même pas te chuter. Parce que si on commence à te chuter, avec mon gueule, comment je me baigne dans mon jacuzzi, mon frigo avec la cave, hein, avant. Ouais, ouais. Tu as vu ça? Moi, arrête. Les clients tirent les chances. Moi-même, je tire les chances. Ça, ce sont les trucs. Moi-même, je tire la chance. Ouais, on s'amuse pas avec moi. Que les hommes aussi vous achètent comme on m'achète. Ça, c'est une petite facture. Une toute petite facture. Je peux te sortir des factures de 100 000 euros. Tu as vu ce que je fais? Je donne 2 factures. Renseigne-toi. Place Vendôme, Natalia, je ne sais pas si elle est encore là. Elle-même est Rwanda souvent quand j'arrive là. Peut-être même c'est avec le père là que tu m'as vu. Mais il n'a pas 80 ans, ma chérie. Hein. Il n'a que 65 ans. Tu as compris? 65, si tu veux, je te le place. Tu chopes aussi ta part de dos dans la distraction. C'est ça le business, ma chérie. Je te place, tu chopes ta part. Tu vas voir ce qu'on appelle comment un homme en chrétien femme. Tu as compris? Oh ouais. Au somme, comment tu peux présenter une maison qui ne t'appartient pas? Tu vas encore venir dire que quoi? Que tu as le doctorat. Champagne. Hey Nadine, honte de vos vies, honte de la sale vie de ta sale chienne de maman. Tu as compris, non? Ta sale vie de ta sale chienne. Ta sale chienne pute de maman. Parce que vous êtes toujours là. Quand l'autre m'insulte, vous êtes bien. Lorsque ma sœur Betty, ma sœur Boulou m'insulte, vous êtes contente. Tu es fier de dire que tu couches avec un garçon de 10 ans de moins que toi. Hein? Est-ce que c'est normal? Normalement, dans la logique, l'homme doit être plus âgé que la femme. Oui, oui. Ben, ce sont nos grands-parents qui nous ont montré ça. Pourquoi on ne doit pas suivre leur exemple? Nos grands-mères étaient des gamines. Et nos grands-pères, c'était des allers-pères. C'est ça. Mais une femme qui sort avec un homme de moins 10 ans de moins, on ne peut même pas te respecter. On ne peut pas te respecter. Si tu veux, je te présente à mort. À mort, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Abiche. C'est dans mon contrat de mariage, c'est écrit. Il y a le nom d'amour là-dedans. Donc, tu vas souvent bien me voir à Paris. Que dans les palaces, parce que toi, tu sais. Genre 5, le Ritz, Plaza Athénée. Parce que à mort, c'est que les... Sauf si c'est moi qui prends l'hôtel. Hein. Mes copines, c'est moi qui prends l'hôtel. J'essaie de regarder un peu les prix. Vous voyez, non? Mais là, c'est sa mort. Hein. C'est son entreprise qui paye. Vous voyez mon problème là-dedans? C'est tout. Genre, c'est, je suis sûr que tu as dû me voir, je sais pas, peut-être au genre 5, ou je sais pas, ou au Ritz. Parce qu'avec mon amour, c'est là-bas que moi, je craigne que par là-bas. Hmm? Il y a encore quoi là-bas, l'hôtel là qui. Il y a là-bas, genre le Saint-Laurent, il y a l'autre là-bas, le 5, le restaurant, le 5. Les anniversaires, le luxe de ça. Ben chérie, c'est parce que nous on vieillit déjà. Il faut, je t'ai dit, tu es une belle, tu es la plus, je pense que parmi les filles boulou, de la toi, tu es la plus belle. Tu es même plus belle que moi. Je ne te mens pas. Tu es plus jolie que moi. Mais je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas envie de prendre ta vie en main. Tu passes ta vie à insulter les prostituées. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as été traumatisé par une prostituée? Et je ne sais pas, qui t'a traumatisé? Pourquoi tu en veux les prostituées? Tu vois que quand tu vas dire un homme,
Comme tu as dit hier, celle qui porte les cheveux comme une folle, là, toi-même, tu n'as pas honte de griller une première dame comme ça de ton pays. Comment tu veux que l'homme te respecte? Tu dis que la première dame a les cheveux d'une folle. Et tu dirais, tu sais, celle-là, la première, celle-là qui dirige le Cameroun, là, qui avait ses cheveux comme une folle. Ah, vraiment. Et tu veux qu'un homme te respecte. Même le gars, là, qui était avec toi hier soir, là. Avec tout ce que tu as dit, là, tu dis que tu n'aimes pas les noirs, tu es raciste. Il ne va jamais prendre ça et t'offrir ce style. Regarde, quand il y a les Louis Vuitton, je te sors tout ça si tu veux. Je pense que je fouille là. Je veux retrouver les photocopies de ça. Donc, il faut arrêter. Reprends ta vie en main. Tu es une belle femme. Tu es même plus belle que moi. Cherche-toi, stabilise-toi. Si tu vois que les jeunes ne peuvent pas t'offrir une maison comme tu nous as montré là, mais trouve-toi quelqu'un qui va t'offrir ça. Si le jeune ne peut pas, mais trouve-toi un vieillard. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui, on dit que les vieilles mamies font les bonnes sauces. Voilà l'autre qui a vu. On dit qu'il a violé qui? C'était un vieux. C'est un jeune, non? Il a 37 ans. Au moins, c'est nous autres, on n'a pas de soucis là. Donc, ce n'est pas un espoir d'être avec un jeune qui a 10 ans de moins que toi. Hein? Excusez-moi, oui, il faut me rappeler plus tard si tu écoutes mon direct. C'est comme ça, c'est la honte. Tu nous as souillés, oui. Tu viens, tu te justifies, tes directs n'ont plus de sens. Calme-toi. Ou c'est une technique. Dis-nous si c'est une technique pour arnaquer la sécurité sociale en te faisant passer pour une hystérique. Parce qu'on connaît. N'oublie pas que je suis avec un médecin. Peut-être que tu es en train de faire exprès pour monter un dossier pour la sécurité sociale pour que tu puisses avoir une rente à vie. 1000 euros par mois, 1500 euros, en disant que tu as les problèmes psychologiques. Ça peut arriver. Dis-nous, on comprend. On commence à lancer les directs, à dire que vraiment tu dois te faire crêter. Parce qu'on vous connaît avec le fait que vous faites souvent au gouvernement français. Hein? Parce que tu ne peux pas, pour une intellectuelle, tu ne peux pas capturer les photos d'une maison. Tu insultes tous les jours ici que nous sommes les vendeuses de rêves. On vend le rêve. Mais toi alors, qui dois nous montrer l'exemple, nous qui t'admirons, nous qui sommes là dans tes directs, nous qui, lorsque tu es dans tes directs, on se dit, lorsque nous sommes dans tes directs, on se dit qu'on va peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Mais là, tu nous fais la honte. On va donc faire comment? Nous, tes fans. Parce que nous, on te suit. C'est comme toi, tu ne nous connais jamais. Parce que toi, tu dis que tu ne suis jamais personne. Je te dis donc que nous, on te suit. Ouais. Ma soeur, laisse. Laisse. Il faut laisser. Justine, tu viens m'insulter dans mon direct. Tu es malade. On va vous bloquer. Après, vous allez vous énerver. Il faut laisser. Je parle à Malène. Si c'est toi qui viens, faux profil ou ton entourage, sache que tu as fait la honte à toute la communauté. Boulou. Parce que je te parle en tant que fille. Boulou. Tu as compris? Non. Il faut vivre selon ses propres moyens. On ne vit pas au-dessus de ses moyens. Tu nous as dit hier à 1h30 comment ton mari envoyait, le père de ton enfant, si c'est ton mari, envoyait, donnait des millions, envoyait des millions au Cameroun. Tu as dit comment, parce que moi je vais te dire que je te suis. Tu as dit comment, il donnait tellement l'argent à sa fille jusqu'à ce que la banque a demandé de se justifier. C'est d'abord faux, ma chérie, parce que un héritage ne se cache pas. Tu as compris? À la base, un héritage ne se cache pas. Et lorsque tu fais, tu vas pas payer forcément en espèces, sauf si c'est un étranger, parce que quand c'est un étranger, il peut payer en espèces. Hein? Si c'est l'étranger, il peut payer en espèces. Lorsque c'est un étranger, il peut payer en espèces. Ça, je te le dis. Avec son passeport français, il peut payer ici en espèces. À l'époque, hein? Parce que maintenant, ce n'est plus possible, j'en sais rien. Et tout. Mais un Français, tu as ta fille. Comment il faut justifier, vu que la banque sait qu'il y a eu héritage automatiquement. Donc, quand tu mens souvent, pardon, nous autres, on n'a pas fait l'école, mais on connaît quand même la vie, quoi. On connaît. Nous sommes ici en Bénin. On connaît la vie. Il faut laisser ça. Les histoires d'héritage, les histoires de donation, tout ça, là, nous, on vit avec ça. Est-ce que tu savais que quand un homme t'offre un truc, il te faut deux factures? Tu es au courant de ça? Tu n'es pas au courant de ça. Mais je te dis donc, il faut pouvoir justifier
Une facture pour pouvoir justifier aux deux noms. Oui, en cas de problème, on ne sait jamais un jour. Et une autre facture pour ton assurance. Tu vois comment je t'apprends les choses. Et c'est comme ça, tous les cadeaux que j'ai eus, c'est toujours deux factures. Tu as compris, non? Donc, je te forme pour une île écrite comme moi. Je t'apprends la vie de l'Europe, la vie de la France. Tu as compris, ma chérie? Tu sais comment la fille m'a insulté, Nadine? Quand toi, tu viens m'insulter là. Toi, tu sais comment la fille m'a insulté ici là. Si j'étais ta soeur, tu allais accepter ça. Mais moi, je ne l'insulte pas. Je la raisonne. C'est ça la différence. Parce qu'on ne peut pas l'insulter. Elle est trop. Pour moi, ça serait de m'épuiser. Je ne peux pas la. Je veux combattre pour moi avec quelqu'un qui est à mon niveau. Dis donc. Je veux combattre avec quelqu'un qui est à mon niveau. Je t'ai dit, tu as vu celle qui m'a servi. Tu vas là-bas, tu lui demandes tous les bijoux que j'ai déjà achetés. Chez Cartier, qu'on m'a déjà offert. Parce qu'elle connaît, elle me connaît. Elle va te sortir. Ouais. C'est chez lui, évident que ça se fasse au bout de 5 ans. Sauf si tu demandes à la direction. Tu écris à la direction, tes factures reviennent. Parce que lui, évident, c'est 5 ans maximum. Si tu as pu faire les achats, avant 5 ans, ils suppriment ce que tu as fait auparavant. Et je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est dommage. Mais Cartier, ça les souche. Juste ça. C'est ça la différence des prix. Tu vas comprendre, ma chérie. MS, tu vas. Il y a mon nom. Tout. Cartier, tout. Louis Vuitton, tout. C'était à l'époque. À l'époque. Il est... Merde. Ah, l'international. Tu vois la chaussure. La chaussure se voit 1 million de pieds. Ah, pourquoi on ne veut plus porter les chaussures? J'ai des chaussures sur là. Je vais ouvrir une boutique au Cameroun. Je vais aller vendre ça, liquider ça. 1000 francs. Je liquide. Je donne. C'est comme une façon de donner. Sauf que je ne donne plus que gratuit. J'ai dit que donne-moi quelque chose, même si c'est 500. Je prends. C'est comme ça. Tu as compris, non, ma chérie? Non. Vraiment, arrête d'insulter la première dame. C'est tout ce que je te demande. Santé. Au somme. Mingataya. Je fais honte. Hein? C'est ta belle-sœur. C'est comme ça qu'on t'a appris dans ton village. Elle est venue en mariage chez nous. On doit la soutenir. On ne doit pas l'exposer. C'est quoi? Un mépris. Tu as vu qui te méprisait à ce point? Hein? Tu méprises tellement la dame. Moi, je ne te comprends pas, ma chérie. Il faut arrêter. Hein? Hein? Le château d'As, tu veux que je te montre le château d'As? Rien que le canapé château d'As, c'est pas la copie. Hein? Parce qu'on peut même encore dire que hein? Château d'As, tu vas taper sur Internet. Regarde, je te montre le modèle château d'As. Tu tapes sur Internet. Attendez, j'allume là-bas. Tu vas voir. Roche Boubois, château d'As. Hein? Tu tapes le modèle XXL. Tu vois combien ça coûte, ma chérie? Tu vois combien ça coûte? En plus, je l'ai acheté à l'époque quand ça venait de sortir. Tu as vu ça, non? Tu as vu ça, non? Hein? Non, il faut arrêter. Le dénigrement, elle n'est pas bien. Hein? Vous partez chercher, vous allez à la pharmacie ou pas? Ah, d'accord, je veux faire, il voulait le jacuzzi là. Je veux allumer le jacuzzi pour mon fils. Hein? Ah, malin, santé. Ah, il fait des maths. Hein? C'est bien. Pour moi, c'est lui qui va faire les mathématiques avec malin. Hein? Au son. Au son. On se dit, bon, Bibi, au son. Un bio au son. Au moins, on gonflait souvent sur la toile que merde. Nous avons nos craintes intellectuelles. Même si on dit quoi. Comme on dit souvent que les filles boulou là n'aiment pas aller à l'école. Au moins, tu étais la preuve que tu as eu le doctorat. Maintenant, tu viens nous faire la honte publique. Tu viens, tu montres quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu rêves de la vie de luxe. Tu rêves de notre vie. Ah ouais. Tu vois. Regarde. Mon petit fille et mon petit garçon. Regarde. Sa petite sac de beurre. Regarde ça. Nadine. Malène. Regarde. C'est rien que la salle de bain de mon bébé. Mon fils. Hein? Regarde déjà tous les parfums qu'il a.
Regarde, il y a tous les parfums qu'il a. Tous les parfums. Hein. Regarde là. Hein, tous les parfums qu'il a. À seulement 11 ans. Tu as vu? Tu as vu les parfums que maman l'achète? Hein? C'est sa salle de bain. Hein. Tu as vu ça? Petit garçon. Hein? C'est lui-même qui range. Donc, si tu vois, regarde. Il m'a dit, maman, je veux faire le jacuzzi. Hein? Donc, je dois allumer le jacuzzi avant que son petit frère n'arrive. Tu as vu ça? Tu viens me parler des sacs. Je gère les sacs. Si tu veux, je te donne, ma chérie. Il t'a dit que cherche-toi. Reprends ta vie à main. Moi, je peux t'apporter cette aide-là. Hein? De t'aider à te reconstruire. Tu vas trouver un vrai homme. Mm-hmm. Voilà. C'est ça. Tu viens me parler des diplômes. Est-ce que j'ai le temps des diplômes là maintenant? Ce qui est sûr, c'est que mes enfants ont les diplômes que moi, je n'ai pas eu. Voilà. Hein? La salle de bain de mon bébé. C'est sa salle de bain. Hein? Donc, si c'est sale, c'est son problème. Si c'est propre, c'est son problème avec la télé. Hein? Tu as vu ça? De mon bébé. Mais il vient souvent jouer avec ses amis. Là, il veut se baigner avant que son petit frère n'arrive. Je veux mettre le côté que il faut que ça soit elle soit bien chaude. On va laisser au moins pendant 30 minutes que l'eau et après on va mettre les essences naturelles. Hein? Tu vois ça, non? Ça c'est pour mon garçon. C'est ma part d'école que j'ai fait. Ma part d'école que j'ai fait pour que mes enfants puissent être dans le confort et dans le luxe. C'est tout. Tu as compris, non? Je meurs aujourd'hui. Ils pourront baigner. Les petits-enfants et les enfants pourront se baigner ici. Si même ils ont marre, ils vendent ça. Ils prennent l'argent, ils vont investir au Cameroun. Ce qui est sûr, c'est que maman a les terrains au Cameroun. Tu as vu? La marque, tu tapes sur Internet. Et c'est que... Et c'est toute option. Ma part, c'est toute option. Ce n'est pas les premiers prix. Tu vas voir le prix que ça coûte. Rien que la salle de bain d'un enfant de 11 ans. Un petit bébé. Un tout petit bébé à Malène. Rose Mata. On expose nos vies sur Facebook. Ce qui est sûr, c'est ça. Quand tu viens pour exposer ta vie, il faut être sûr. Rassure-toi que c'est la vérité que tu dis. Si tu fais le mensonge, ça t'attrape comme ça l'a attrapé. Ce qui est sûr, c'est ça. Pour une intellectuelle, moi, normalement, je ne comprends pas. Parce que pour une intellectuelle, normalement, elle s'est tout même obligée. Elle était en train de insulter Madame Chantal Biya. Qu'elle reste dans ses injures. Parce que nous, on l'a donné les conseils. Elle n'a pas voulu écouter. Tant pis pour elle. C'est son problème. Mais c'est une honte, une femme qui insulte une autre femme. En plus, sa belle-fille, sa belle-sœur, parce que quand même, Papa Paul Biya, c'est un boulot. Hein? Comment? Tu viens insulter ta belle, même ta belle-fille. Ça peut être même ta belle-fille. Hein? Comme ça, là, est-ce que c'est bien? Ou t'as nié jusqu'à... Tu parles déjà sur blanc. Si c'était ton show, peut-être c'était même ton show. Mais quand tu dis un show que tu es rare, même si tu détestes les noirs, t'es pas obligé de dire ça au blanc. Que tu détestes, tu détestes la race noire. Les filles belles sont compliquées, hein? Tu détestes la race noire. Mais le gars là va plus te respecter, ma chérie. Hey, toi, tu es dans la race quoi? La race russe. Hey, où tu es la race chinoise? Je sais pas, dis-moi. Oh, moi, je déteste la race noire. Je les hais. Ce sont des gens. Mais c'est parce que toi-même, tu n'es pas facile, ma copine. Ouais. Comment tu peux exposer sur la toile que ce n'est pas, c'est chez toi, pourtant ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas bien. Il ne faut plus filmer les maisons des gens. Hein? Bon, tu es venu m'insulter, c'est que les agents immobiliers avaient choisi avec moi. Hein? On t'a vu avec ta cota de Belgique. Vous avez dit, aïe, les âgés, vos brioches. Parce que quand vous êtes des mythos, vous avez cru que tout le monde est dans votre scénario, non, ma chérie. Tout le monde n'est pas dans votre scénario. Moi, je suis réelle. C'est véridique. Vous-même, vous avez compris après que c'était ça. Donc, laisse-moi.
vivre ma vie. Je peux m'habiller, mais avec les habits de 50 centimes. En fait, je ne suis plus à ce niveau. Parce que je n'ai même plus besoin de prouver à qui que ce soit. C'était à l'époque, pour entrer dans les grands palaces, là, tu es obligé d'être yoyette, de sentir le luxe. Maintenant, hein, je peux entrer même le Ritz en babouche, tu as compris, de 500 francs. Et personne ne va me dire que tu n'entres pas là. Parce que quand je me dis que je te sors d'abord mon Infinity ou ma Platinum, maman, tu te calmes d'abord. Et je ne discute même pas avec l'employé. Je m'en vais directement. Je lui dis, si tu n'acceptes pas, je vois le responsable. Ah oui. Et je poursuis en justice. Parce que personne n'a le droit d'interdire une personne d'entrer. Surtout quand la personne, tu ne connais pas, la personne ne te connaît pas. C'est comme ça. Si tu n'as jamais fait de problème dans l'établissement, tu es client comme n'importe qui. C'est ça qu'on dit que quand tu as ta part de dos, tu n'as plus besoin de prouver à qui que ce soit. Tu as compris? Tu n'as plus besoin de prouver à qui que ce soit. Vous m'avez cru insulté jusqu'à conseiller ta copine de me porter plainte. Anne, ballon de la malène. Je ne t'avais rien fait, je ne te connaissais pas. Jusqu'à faire les postes en disant comment. Je suis en train de dénigrer une grande femme digne. À ma laine. Comment, pourquoi tu m'avais fait ça? Ta petite soeur Boulou. Au lieu de venir même voir ta petite soeur Boulou, que tu arranges même le problème. Qu'est-ce qui se passe avec ta d'autres soeurs? Qu'est-ce qui se passe? Je suis votre grande soeur. Il faut arranger le problème. Non. Tu l'as encouragée à me faire du mal. Aujourd'hui, elle-même va se moquer de toi parce que toi-même, tu l'avais expliqué. Tu avais dit ici qu'elle ressemblait au singe. Et quand Malène c'est chic, hein? Malène a la bouche, non, dis donc, l'engala c'est chic. Je vous dis que la fille est lorsqu'elle t'insulte, toi-même tu encaisses, tu dis yes. Yeah. Non, il faut laisser, ma chérie. N'insulte plus la première dame, c'est ça la malchance. Voilà, aujourd'hui j'étais cru. Hier, je te jure qu'au nom de Dieu, j'étais cru. Je me suis dit que ce sont les gens qui abusent, qui exagèrent. Je te promets, je me suis dit ça. Que les gens sont en train d'exagérer. Moi, j'ai cru. Hein. Mais oh, le matin, je me réveille, je vois dans les vies que qui. Ouais. Je me réveille sur Instagram, je tape. Je vois les. J'ai dit vraiment. Ouais. Astia. C'est vraiment la honte. Pitiation, corona. Aïe. Ma mère. C'est bon, tu. Ah, les clés. Ah oui, c'est dans le sac. Le sac, oui. Le Louis Vuitton là, c'est là-bas, j'ai mis ça. Non, vraiment, ma chérie, c'est ressaisis-toi. Tu es une très belle femme, je te dis, tu es même plus belle que moi. Hein? Reprends ta vie en main. Arrête d'insulter la première dame parce qu'elle, au moins, elle a réussi sa vie. Ses enfants ont réussi leur vie. Ce qui est sûr, c'est qu'on vit pour nos enfants. Hein? C'est ce qui est sûr, c'est ça. Donc, elle a réussi sa vie. Hein? Ses enfants aussi ont réussi la vie. Chacun réussit à sa façon. Hein? Donc, concentre-toi. Trouve-toi un nom qui va te mettre en haut. Qui va te faire voyager dans les jets privés. Qui va te faire voyager dans les bateaux, les yachts. Et au moins, tu vas pouvoir avoir ta vie de rêve que tu veux tellement, parce que tu rêves tellement du luxe, tu rêves tellement de la vie de luxe. Nous, ça ne nous dit plus rien. Les jets privés, on a fait ça. Les bateaux, on a fait ça. Maintenant, même, je vous dis que même maintenant, là, les sacs, ce n'est plus la peine. Garde, tu veux m'offrir un sac, je te dis que donne-moi les dos. Claire, je te dis que donne-moi les dos. Je ne suis plus dans ça. Je te dis que donne-moi les dos. C'est comme ça. C'est mieux. Tu me donnes les dos, je gère ça. Je paye d'abord ma part des impôts. Après le reste, là, comme j'ai mis certains crédits là, je fais avance de solde de crédit. Ou alors j'économise jusqu'à je solde. Ma chérie, c'est bien déjà payé en France à seulement 38 ans. Une petite fille. Un petit bébé, une toute petite gamine, ma chérie. Regarde, à seulement mon premier tigre foncier, tu veux que je te montre ça, ici en France. J'étais qu'un bébé, la vingtaine,
une toute petite gamine, ma chérie. Un petit bébé. Quand je m'en vais aux impôts, même les impôts sont impressionnés. Ah oui, c'est ça. Ah. Mais vous déclarez. Maman, tu vois, là, ce sont les impôts qui te disent que tu déclares beaucoup. Tu dis, cadavre, tu étais où là? Parce que déjà, ils voient des petites filles noires comme ça. Et vous savez que j'ai toujours mes tenues et mes baskets. Lorsque tu me vois, tu me donnes 15 ans. Ils sont surpris. Après, tu vois comment on te reçoit. C'est ça le goût. Hein. Quand tu as quand même un peu d'argent là, ça le goût, ma chérie. Je vous dis qu'on te reçoit tellement bien partout là où tu vas. Hein? Et quand moi je viens, quand je suis comme une petite gamine là, au début elles sont souvent un peu nerveuses là. Après, lorsqu'elles voient les revenus, le respect s'impose. Et là, le sourire, la gentillesse, on commence à te donner les conseils. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, vraiment. La petite gamine, la boule, ce qui est sûr, c'est ça. Oui, j'ai inscrit mon nom au registre ici en France. Inscrit. Je peux mourir aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait ma part d'empreinte au territoire français. J'ai au moins investi ici en France. Je profite de mes biens, de mon vivant en France. Ce que je m'avais fait au Cameroun, c'est juste pour m'amuser. Pour donner de l'emploi aux Camerounais. Pour que eux-mêmes, ce sont eux-mêmes qui vont payer ceux qui sont au chômage. Ça veut dire que les clients qui viendront dans mes meublés, hein, payeront les salaires de ceux qui vont travailler. C'est une façon d'aider. Tu as compris, non? Oui, oui. Pour moi, c'est une façon d'aider. C'est sûr que le petit bénéfice-là, je ne veux pas refuser. Parce que moi, j'aime l'argent. Toi, tu as fait l'école des bouquins. Moi, j'ai fait l'école de l'argent. C'est ça la différence entre toi et moi. Donc, calme-toi. Ne te fais plus honte comme ça. Arrête d'insulter la première dame. Concentre-toi dans ta vie. Tu es un héros. Concentre-toi. Tu ne peux pas insulter toi qui es noir. Parce que ce n'est pas parce que tu es brune là. Parce que je pense que tu dois être brune naturelle là. Parce que tu es tellement belle. Ce n'est pas parce que tu es brune que tu vas insulter la race noire de merde. Tu dénigres la race noire. Ce n'est pas bien. Aucun blanc ne va accepter d'être avec une fille qui dénigre ses origines. Moi, à Katoua Bebela, les vrais riches. À part les gigolos ou les banganos. Parce que comme tu as dit dans ton direct que ma maman disait que tu étais gigolo, hein. Et que comme je suis plus riche que toi. Aïe. Waouh. Ou d'angolaise, ok. Aide. Oh, tu vas. Tu crains tellement, mais tu es une fille d'oie là, parce que ce sont les filles d'oie là qui sont les crâneuses. Maman, je vois bien que les filles bêtises sont comme ça. Et ma maman disait que. Arrête. Lorsqu'on n'a rien, tu es encore jeune, tu es encore belle. Hein? Concentre-toi. Trouve-toi un vrai homme. Hein? Je t'ai dit que les hommes n'aiment pas ça. Les hommes, même si tu es riche, montrent que tu n'as toujours rien. Parce que moi, je vous pompe l'exil sur mes tâches juste pour déranger mes ex-copines. Je vous ai dit que moi, je n'ai pas de point avec vous. Moi, ce sont mes ex-copines que je vais, tant que je suis sur mes tâches, je vais les embêter jusqu'à ce que j'éteigne mes tâches. Vous avez compris, non? Donc, je leur pompe l'air. Ce qui est sûr, c'est ça. Hein? Concentre-toi à Mordjan. Tu trouves-toi quelqu'un et tu arrêtes de dénigrer la race noire. Hein? Parce que c'est grâce à cette race noire-là que tu es en vie aujourd'hui. Oui, oui, oui. Parce que si le médecin qui avait aidé ta maman à pousser là, s'il était raciste, il t'aurait tué de ta naissance. Donc, c'est quand tu tombais malade là que tu étais hospitalisé dans les hôpitaux là. C'est la race noire qui te soignait. Hein? Donc, ne viens pas dénigrer. Alors, il y a aussi les hôpitaux au Cameroun qui sauvent aussi les gens. Moi, les hôpitaux m'ont sauvé. Je m'étais cassé le bras. C'est grâce aux hôpitaux que j'ai eu. Regardez, on ne peut pas savoir que le bras s'est cassé. Vous comprenez? Donc, ne dites pas seulement que tout est mauvais au Cameroun et tout est bon ici. C'est faux. Il faut arrêter vos conneries là. On meurt ici comme on meurt au Cameroun. Il y a aussi les mêmes morts ici en France comme au Cameroun. C'est ça. C'est comme ça. Donc, arrête là. Tu dénigres. Mais le blanc hier était dépassé que tu dénigres les Camerounais, tu dénigres la race noire, tu dénigres. Mais attends, c'est bon quoi. Quand tu faisais, tu tombais à l'école. Qui n'est pas tombé à l'école?
comme tu étais dans les écoles des milliardaires, c'était les écoles des milliardaires, ne joue pas. Je connais pas. Moi, j'étais dans les écoles des pauvres, ma chérie. Chez nous, dans les écoles des pauvres, on t'est obligé de te défendre. Dans un moment, si tu t'amuses, c'est ton bras qu'on casse. Ou c'est toi-même qui tombe, toi-même, tu casses ton bras. Tu comprends? Et ce sont les hôpitaux du Cameroun qui nous ont sauvés. Oui. Les erreurs sont partout. Il y a aussi les erreurs médicaux ici, là. Eh oui, oui. Il y a des gens ici qu'on les a donné des médicaments qu'il ne fallait pas. Et ils sont morts. Ils sont en justice aujourd'hui. Donc, renseigne-toi. Tu ne peux pas insulter, dénigrer un pays au point que non. Et tu viens accuser la première dame à quoi avoir? Avec même la gestion du Cameroun. C'est comme si maman Adama, c'est comme si Dada qui est docteur. Hein? Il m'a fait une erreur médicale, on vient m'accuser. Je vois Dada, oui, je lui ai dit que, hé, je pompe là avec les diplômes de mon gars, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui soigne. Donc arrête. Hey, comment Black Beauty, ça va ma copine? C'est, je reprends. Je dérange Tata Marlène. Tata Marlène. Je dérange Tata Marlène. Oh. Tata Marlène, notre Tata. Notre Tata, je sais pas que le bouchon. Le bouchon du champagne là, c'est bon. Hein? Je vais le chauffer, hein, parce que vous savez que le. Vous savez que. Mon jacuzzi là, ça consomme énormément d'eau. Et moi, j'aime bien lorsque le bain, que mes enfants prennent un bain très très chaud. Donc, je veux rajouter du chaud. Vous voyez là. Je veux rajouter du chaud là. Donc, je veux faire. Ah, je vais pas retrouver mon. C'est quoi? Potata. 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 Mingana lehie. On t'a dit qu'arrête. Arrête. Hé, hey, le Cameroun. Oh, le Cam... tu, quand tu partais là-bas acheter avec notre beau-frère, là, tu étais content, non? Toi, tu nous as dit ici que c'est toi qui as acheté la maison et que les transactions ont fait ceci, là, là-bas au Cameroun. Moi, je te suis, hein, de A à Z. Je ne rate aucun de tes directs. Si même tu es en direct et que tu... J'ai dit que je m'en vais réécouter. Au cas où, peut-être que j'étais occupée, j'avais pas le temps. Je m'en vais seulement, je clique. Et vous tout. Tel. Je m'en vais. Oui, oui. Parce qu'il me dit que peut-être dans ton direct, je vais peut-être. Tu vas peut-être me donner deux, trois idées. Comme toi, tu as fait l'école et que nous autres, on n'a pas fait. Tu es belle, hein, ma chérie, c'est dommage. Je ne sais pas si ce sont les filles qui te rendent belle comme ça ou si tu es vraiment belle naturellement, mais tu es une belle femme. Hein. Je te mens pas, hein. Je te dis la vérité. Là, je suis sincère. Je me demande pourquoi, avec cette beauté-là, vraiment, essaye de voir. Hein. Tu étais au Cameroun là-bas. Moi, toi, je t'aurais conseillé que tu dois aller voir. Hein. Tu dois aller voir ce qui se passe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'assoit sur ton étoile et qui te rend comme ça. Hein? Moi, je te dis, moi, tu étais ma fille, moi, je n'aurais pas laissé. Hein? Je serais allée voir. Ouais, ouais. Voir ce qui se passe parce que tu n'es plus, ça ne va plus quoi dans ta tête. Vraiment. Ou c'est une technique, parce qu'on vous connaît, avec l'arnaque à la sécurité sociale. Peut-être que tu es en train de monter un gros dossier pour la sécurité sociale pour qu'on te paye la vie. Alors, tu te fais passer pour une hystérique, une dingue. Jusqu'à aller filmer les rues. Parce que quand le médecin de la sécurité sociale va voir s'il va dire que non, tu as un sérieux problème. Comment tu peux croire que la maison de quelqu'un t'appartient? Oui. Et on te met secrètement. Et là, tu touches 1500 euros ou 1000 euros à vie. Les escrocs. Les techniques d'escroquerie. Oh! Dis-nous si c'est comme ça, nous tous on commence à dire comment tu as les problèmes. Pose ta botte. Oh, ouais, Billy John. Oh, ceci, c'est là. Oh, tu avais les grands-pères. Quand ton arrière-grand-père épousait ton arrière-grand-mère, elle était plus jeune que lui. Elle était plus vieille que lui. N'est-ce pas, à l'époque, ils épousaient les petites filles de 12 ans, 15 ans. Venez parler de quoi? Vous voulez qu'on se ressole? Tu connais l'histoire d'Afrique, non? Ou tu veux que
je puisse te faire le replay. Parce que moi, je n'ai pas fait d'école. Mais je connais quand même l'histoire du Cameroun. Hein? C'est ça la différence. Viens parler. Moi, tu crois que tu es ici? Moi, je ne m'arrête pas. Hein? Moi, je te l'ai dit. Hein? Moi, mon garçon, il se marie avec une femme de 10 ans de plus que lui. Et moi, je refuse. Sache-le. Je préfère qu'il se marie une fille de 10 ans de moins que... Oui, oui, parce que c'est lui l'homme. Ouais. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que c'est lui qui apporte. C'est lui qui doit protéger. Ouais, sa famille. C'est l'homme qui doit avoir plus que la femme. Oui, oui. Donc, arrête. Tu es un chrétien, un petit yo ici qui est venu, qui s'est fait passer pour quelqu'un qui est une autre personne. Parce que je ne pense même pas que ça doit être ton époux. Je ne pense pas. Parce que la façon dont il parlait, on avait l'impression que tu le piquais sur la cuisse comme ça qu'elle dit ceci. On aime bien la comédienne. Pas qu'à nous, même là. Ouais, ok. La fille de Mendoza, si vous faites rire. Ouais. Tonton, j'ai aimé. Vraiment, il a couché un gars, hein. La fille de Tonton Mendoza. Hey, yeah. Il a presque le même. J'ai presque le même nom que lui. Mais je ne comprends pas. Sa fille, là, elle était. Maman. Il devait faire les prières. Il faisait la chorale, non? Je te dis qu'il devait faire les prières sur toi, ma chérie. Je te dis. Il devait prier sur toi. Parce qu'il y a une personne là. Il y a un esprit qui éteint ton étoile. Je ne comprends pas. Une beauté comme toi. Avec ta beauté, là, ma chérie, tu devais avoir le genre que les boîtiers alignés. Il est en France. N'en parlons pas au Cameroun. Parce que vous qui vivez au Cameroun, là-bas, là, tantôt, au Cameroun, en France, le genre que tu alignes ça comme ça. Tu as les ménagers, les ceci. Tu as même peut-être rien que pour toi, là, même 10 employés. Parce qu'en plus, avec ton français qui sort. Qu'est-ce que tu racontes que les filles qui épousent les blancs, ce sont forcément des prostituées. Mais franchement, écoute ton langage. Je pense que le gars, là, n'est pas un intellectuel. Le blanc, là, c'est pas un intellectuel. Parce que si c'était un intellectuel, comme toi, tu dis que tu es intellectuel, il t'aura envoyé chier. Tu écoutes les mots que tu as, mais tu sors. Oh, vous savez, tu sais que chez nous au Cameroun, là, ça devient, tu deviens le chez nous au Cameroun. Hein? Les blancs, les noirs qui épousent les blancs ne sont des prostituées. Elles ont fait des conneries. Qu'est-ce que les prostituées t'ont fait? Ils t'ont volé ton papa. Je ne comprends pas. Pourquoi tu détestes autant les prostituées? Ce ne sont pas les enfants des gens. Et maman, si on regarde bien, on va voir Ndondo, la qualité qui n'a plus de nom. Parce que lorsque on voit que Don Albertine Kana, c'était que on voit que John Ndondo. Ouais, on voit que John Raison Ndondo. Ouais, mais voyons, il y a un peu de temps. Parce que malgré tout, ma nuit, on me dit à vous, moi j'étais bien. Je te dis, même si tu m'insultes au combat, moi j'étais bien. Moi, que tes injures ne peuvent rien me faire. Parce qu'on ne s'est jamais vu toi et moi. Donc ça ne peut rien me faire. On parle sur loi sur ta passion pour parler. Ce qui est c'est qu'on parle souvent sur l'état parce qu'il faut parler. Sinon, ça ne veut dire rien. Au congrès, je me moque de toi. Je t'embête. Je te taquine. Tu peux dire tout. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je te dis que je viens, je fais ma part d'animation ici. Ouf. Après, je rigole, je bois mon champagne. Tu comprends, ma chérie. Donc, sois sage. N'insulte plus les enfants des gens. Si toi, tu n'as pas fait la putainerie, laisse les enfants qui ont fait la putainerie à chacun son niveau. Toi, tu avais ton papa qui était qui gérait la chorale, tu dis que c'est ton papa. Mais il fallait donc qu'il te prenne comme ça, qu'il te bénisse, il met la tête dans l'eau, il prend, il bénit. Il fait comme le pasteur, il bénit. La chorale, hein, il bénit. Hein, tout chant prie pour toi, pour que tu sois demain une grande dame. Parce que tu es une grande dame que dans le français de Meta. Le français là qui sort de ta bouche là, c'est là le reste là, zéro pour une personne qui a fait l'enfant dans la famille au bien. Aïe, à mon diable. Au bien, ici qu'on a on a saisi les Rolls Royce, les Bugatti, les Ferrari. La famille là t'a même pas laissé une petite Citroën. Ouais, à mon diable. Au bien. C'est toi qui es venu nous dire ceci. Tu as fait l'enfant dans la famille au bien. Et tu n'as même pas une petite chambre de bonheur
à Paris à 150 000 euros ou à 200 000 euros. Parce que ça dépend des quartiers. Hein. Ou bien qu'on a saisi toute une rue. Je ne sais pas si c'est ce qu'on nous avait aussi montré sur Internet. Et on ne t'a pas laissé un petit chambre. C'est que, ma chérie, tu dois aller voir un pasteur. Parce que je ne sais pas que. Je pense que tu dois être protestant. Parce que, oui, ou un prêtre. Tu dois vraiment. On doit prier pour toi, ma catwoman. Moi, si j'avais même fait l'enfant avec le petit, petit, même si c'est le cousin éloigné de bien. Alors, je commence par le cousin éloigné, je finis par le père. Celui qui est même le président. Tu as compris, non? Ouais. Il faut avoir, tu te caches, cache-toi. Cache-toi, ma chérie. Tu as compris? Tu viens sortir là quand tu vas commencer à être dans les yachts. Je peux te poster les photos des yachts et des jets privés que nous on a fait. Mais ça m'appartient parce que je vais te poster ça, que ça me dit quoi. C'est là. Je te poste ça. Tu pouvais attendre Natacha. Quand Natacha était encore. Ah, ouf. C'est parce que maintenant on mange l'argent de ceux qui travaillent. Nous sommes les rentières, donc on se casse la tête. Le peu qui vient, on encaisse. On donne à la banque, on donne nos impôts, le reste, on prend pour nous. Mais à l'époque, là, Natacha aurait eu le temps de faire les directs. The time is money. Le une heure de direct, là, je suis déjà au million. Je n'aurais même pas eu le temps. Vous m'aurez vu une fois de temps en temps. Ah, chérie. Mais il n'est jamais trop tard, ma puce. Il n'est jamais trop tard. Hein? Même le père de mes enfants qui n'est pas de la famille au bien me donne quand même une bonne pension alimentaire. Une bonne pension alimentaire. Avec rien que sa pension alimentaire, là, mes copines, je peux même investir. Hein? Dire que j'achète même un appartement n'importe où, ou même je vais dans une campagne, j'achète un immeuble. Je dis que j'investis, je produis l'argent. Oui, oui, je produis l'argent de la pension alimentaire si j'ai envie. Vous avez compris? Il ne paye pas, on le saisit. Il faut qu'il quitte du pays. Il ne remet plus ses pieds en France. C'est comme ça. Et comme il a un bon poste, c'est pas un poste bracata. Donc, il va regarder ses intérêts. Hein? Une grosse pension alimentaire comme ça, là, tous les mois, ça tombe jusqu'à ce que les enfants deviennent indépendants. Ça veut dire qu'ils vont faire l'école, ma copine. Comme tu m'as tellement insulté que j'étais inécrit. Les enfants vont faire l'école jusqu'à même 45 ans. Ils seront toujours à l'école. Je vais investir que sur l'argent de la pension alimentaire, là, tu as compris, non? Ouais, le capital. Attends, quand les taux de crédit vont baisser, je vais investir. Ce qui est sûr, c'est ça. Je vais vous montrer et je vais le larguer en même temps. Hein, ma copine, et toi, tu te maries, tu te fais la femme au Bia, la famille d'Obia, et tu ne fais. Tu n'aimes pas écouter les conseils. Comme tu es tellement belle là. Je suis sûre que tu es le genre qui te donne les conseils. Tu me dis que les gens ne connaissent rien. C'est toi, c'est quelqu'un. C'est ça le problème des belles femmes. Oui, moi je suis. C'est vrai, tu es belle. Je te vois pas, tu es très jolie. Tu es une belle femme. Franchement, ça va. Je ne sais pas si ce sont les filtres, mais j'aimerais te voir en vrai. Pour voir vraiment si tu es si belle que ça. Parce que avec tes photos, tu es vraiment une belle femme. Mais qui n'a pas d'intelligence. Pas d'intelligence, rien dans la cibole là, zéro tronc, ouais, zéro tronc, là, zéro zéro, ouais, tu portes l'enfant de bien et tu galères en même, tu débats avant même une entreprise et commander les gens, tu as vu les petites filles nigériennes qui viennent ici là, maman les salons de beauté, ouais, et elles n'ont pas fait l'enfant avec la famille ou bien. Parce que c'est ce que tu nous as. Je ne sais pas si c'est vrai. Parce que toi, on a un bien ou nominal. Why you want to care? Non. Tu n'as jamais vu une intellectuelle. Que les mythos, les illégrés mentent. Je veux comprendre que c'est un problème d'éducation, un problème intellectuel. Mais une fille qui dit qu'elle est intellectuelle, elle prend, elle fait la photo, elle vient dire que c'est chez elle.
me fais pitié. Ah, l'eau comme ça, lorsqu'elle est chaude comme ça, c'est bien. Parce que je fais chauffer comme ça, là, pour rajouter la chaleur, là, il faut que ça chauffe bien, même que ça soit brûlant, même. Et là, je rajoute. On va voir à quel niveau l'eau est déjà. Bon, château d'As, ça y est, un château d'As, ou au fond de temps, ma boule, tu vois, étiquette. Parce qu'il ne faut pas qu'on ose au calme. C'est la copie des chinoiseries. Elle est habillée. Elle est chinoiserie de la tête aux pieds. Chinoiserie toi-même. Tu as dit que. Attends. Voilà. Château d'As. Que l'on fait mon temps. On fait mon nom. Château d'As. Attends. C'est aussi chinois ici. Rien que ça s'achète un sac ou même deux sacs Hermès. Tu as compris, non? Même deux sacs Hermès. La chinoiserie, là. Comme tu dis chinoiserie. Chinoiserie, toi-même. Hey, je m'avais regardé. Si l'eau. Hey, si c'est déjà plein. Aïe, ma laine en l'air. Donc, intérêt. Oh, son est bon. Ballon, ma bacana. Ou t'es bien, ou t'es bien. Oh. Minga je crois pas. Avec tes biens que tu dis là. Ah, je crois pas. Eh, je crois pas. Avec tes biens que tu dis là. Je ne sais pas si tu as vraiment les biens là, comme tu dis aux gens que tu as les biens. Tu sais pourquoi je dis aux gens que j'ai les biens? Parce que ta copine, ton ex-copine était venue vous mentir que je n'étais rien. J'étais zéro. C'est le pourquoi je suis venue sur la toile pour vous dire que. Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un. Tous les gens ici me connaissent. Moi, j'étais quelqu'un de discret. Je faisais mes petites vidéos ici. Je postais comme sur Instagram. Comme sur TikTok. Vous avez vu que sur TikTok, moi, je fais toujours mes petits. Snapchat, je fais toujours mes petits. C'est comme ça. Mais si on me provoque, j'ancre dessus. Je te montre que tu es zéro. Parce que là, on parle de fiscalité. On voit qui paye les impôts plus que moi. Oui. Oui, je te parle au niveau des impôts, pas au niveau de l'argent liquide ou quoi que ce soit, on ne connaît pas ça. Les impôts, tu poses, je pose. Tu poses ton patrimoine, je pose. À mon nom propre. Ah oui, parce qu'il y a les SCI, mais il y a le nom propre moi-même, que j'ai commencé à acheter avec mon nom propre. Et donc que j'ai mis par la SCI. Tu as compris, non? Je te montre ça, ça te calme. Regarde en bing. Regarde ça en bing. Avoir ça en bing. Ma chérie. Regarde pour son enfant. Regarde. Comment la salle de bain en haut. Hein? 14 mètres carrés. Juste la chambre. La salle de bain. 14 mètres carrés en bing. Le pays des Blancs. Hein? Le pays de Macron. C'est pas tout le monde, ma chérie. Construit. Imaginez par moi-même. Donc, si le plat est moche, c'est de ma faute. C'est moi qui ai. J'ai dessiné, comme je dis, j'ai dessiné. Que, vous savez que quand on est petit, on dessine, on joue à la poupée. C'est comme ça. C'est la maison pourquoi j'ai dessiné, j'ai imaginé. Je ne suis pas allée acheter. Et les plans viennent de moi. Donc, si le plan même est raté, c'est de ma faute. Parce que je voulais écouter personne. Je dis que ça, c'est ma maison. Que quand j'étais petit, je rêvais que je vais avoir la qualité là. Et Dieu m'a permis d'avoir ça. Donc, quand tes ex-copines là, vous avez créé une bande pour m'humilier, me rabaisser, me dénigrer. Sauf que toi, en tant qu'intellectuel, tu n'as pas d'abord étudié la personne. Tu n'as pas étudié. Parce qu'une intellectuelle n'ancre pas dans la boue. Les autres, ce sont les îles écrans, on peut comprendre. Mais toi qui es une intellectuelle, tu as commencé à venir inciter jusqu'à encourager l'autre de porter plainte. Ça a porté quoi alors? Quelqu'un peut faire la justice avec moi? Surtout Binga pas quoi non non hein. Elle ne peut même pas passer l'officiel. Bon, vous dire qu'en haut 500 000 euros d'amende. À vous, j'ai pas tout. Parce que elles se sont rendues. Elles disent que tu vas travailler légalement dans un pays. Fais attention. Insulte seulement là en faux profil. Mais ne pars pas loin. Tu as compris? Toi qui aimes le droit, qui aimes la justice, qui aimes les. Parce que quand tu écoutes, tu es la femme la plus parfaite qui existe au monde. Tu me fais mal.
J'ai pitié de toi. Tu m'as insulté ici jusqu'à faire les postes. J'ai encore ta capture d'écran. Sois plus encore, on m'a insulté, Madame Sita. Sois plus humble. Tu préfères qu'on dise qu'on me chie dans la bouche. Là, ce n'est plus le côté homme. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Mais quand les autres vous disent, quand Marlène m'a insulté là dans son direct, elle m'a insulté pendant 3 heures de temps. Vous n'avez pas dit à Marlène, arrête d'insulter ta petite sœur, t'as rien fait. Vous voulez que vous sortez la capture d'écran que Marlène m'avait insulté, ne vous connaissez pas il y a 3 ans. Vous aimez quoi? Ça, c'est quoi? Voilà. Marlène. J'ai pas volé. Hein. J'ai pas volé. Voilà ça. Ça, la sueur de mon front que j'ai travaillé. Payer les impôts. Tu as compris? Les taxes. Les taxes en France. Tu as vu, madame? Les impôts. Hein? La salle de bain juste de mon enfant. Tu veux que de mon pour moi? Pardon, hein. Vraiment. Et tu viens de dire que hey, tu ne t'habilles même pas. Ouais, il n'a pas dit tu vois. Pas de liti. Mazou liti. Pas de liti. Mazou boye lang. Et boye lang. Mazou boye boye lang. Tu as compris là? Hein? Je vais te faire le boye lang. Tu as vu ça? Tu as vu ça là? Hein? Je vais te faire le boye lang. Tu as vu ça? Tu peux avoir la qualité ici chez toi. Me parler. Tu m'avais insulté, Marlène. Tu dois même m'éviter. Tu dois m'esquiver. Hein? Parce que moi, je suis bolé lent. Hein? Ça, c'est pour faire pipi. C'est pour mon fils, pour faire pipi. Là, c'est pour faire caca. Je suis bolé lent. Quand ma tane, tu es à fan. Amoudje. Quand tu es à bolé. Quand tu es à mané, tu m'avais insulté jusqu'à aller te dire, oh, elle va porter. Tu merde. Ça a porté quoi? Tu ne connais pas une petite fille. Au lieu d'encourager, tu n'étais même pas obligé de parler de moi. Comment dire, l'ami de ton ennemi est ton ennemi. Moi, je t'ai fait quoi pour que tu viennes m'insulter? Je t'avais fait quoi? Hein? Tu veux. Attends, ma zouoliti. Ma zouoliti, ma boy, elle. Et je joue même avec toi. Parce que si je veux te clasher, laisse. Si sauvage, ma chérie, laisse. Ma boy, bolé là. Viens, je te donne les chaussures. Viens. Viens. Les faussetés, comme tu dis. Je te donne mes faussetés. Hein? Les faussetés. Voilà. Hein? Elle porte que les chinoiseries. Viens que je te donne ça. C'est une des agatés. Viens que je te donne. Les faussetés. Les faussetés. Les faussetés. Quoi que j'ai encore les bêtises là, viens, je te donne gratuit. Njo, tu vas, tu repars. Je te fais ça, Njo. Je te donne gratuit. Avec ça, tu vas avoir les clients. Hein? Voilà. Njo, je te donne ça, Njo. Comment on peut donc? Merde. Vas-y, t'as une petite gamine, ça? Son les faussetés, elle porte les chinoiseries. Voilà. Tu as vu ça? Hein? Il y en a tellement que je peux. Je mets même 2 sur 2. 2 par 2, tellement. C'est plein. Hein? Je mets 2. J'aligne 2. Tellement c'est plein. Je n'ai même plus d'espace. 2. Comme ça, là. Hein? Et chinoiserie. Et chinoiserie. Et chinoiserie. C'est aussi les chinoiseries, là. Et chinoiserie, et chinoiserie, et chinoiserie. Yeah? Why, ma veau en jour, je te donne ça en jour, gratuit, Malène. Tu vas trouver les clients avec, tu vas trouver un vrai milliardaire. Hein? Et chinoiserie, voilà, je te donne. Ça me fait y a mal aux pieds. Moi aussi, j'ai un mot de basket. Hein? Malène, moi aussi, j'ai un mot de basket. Ici, j'ai un mot de basket. Moi aussi, j'ai dans les baskets simples. Me casse pas la tête. Les baskets qu'on trouve tous les jours. Voilà. Hein? C'est ça. Je suis allée faire ma part de solde. Simple. Ne suis plus dans les bêtises là. Voilà. C'est ce que moi je porte maintenant. Les autres là me fatiguent. Je te donne. Je t'offre gratuitement. Alain. Tu as compris non? Ça va t'apporter chance. Tu vas voir les vrais milliardaires avec ça. Chinoiserie. Hein?
chinoiserie. Tu as vu ça? C'est tellement saturé, je ne sais même plus quoi faire avec. Ça m'épuise même. Le jour que je fais le conteneur, balance ça. Si tu ne viens pas chercher, viens chercher ta part. Je te donne gratuit ta petite soeur. Elle te fait le cadeau. Genre, n'aie pas honte. Viens, je te donne ça gratuit. Les chaussures à 1000 euros. Les chaussures à 1500. Hein? Les chaussures à 1500 euros. Je te donne, n'aie pas honte. C'est gratuit. Je t'offre ça. Je t'offre ça. Hein? Tout ça. C'est gratuit, ma chérie. C'est pas le faux. Hein? C'est pas le faux. C'est gratuit. Je t'offre ça. Hein? Viens prendre. Quand ta petite soeur, tu dis que les habits, c'est versé ou à me te y habiller. Je suis fatiguée des habits. Je suis fatiguée des habits, oh. J'en peux plus. Hein, Malène? Viens prendre. C'est ta petite soeur qui te fait, qui t'offre ça. C'est gratuit. Hein? T'inquiète pas. Hein, comme toi, tu aimes la vie de luxe. Viens que je t'offre les sacs, les chaussures. Voyez? Je t'offre ça. Genre, tu veux les sacs, je t'offre. Voilà. Si tu veux, je te donne gratuitement. Tu as compris, ma chérie? Gratuit. Tu vas apprendre comment... Regarde les ordinateurs. Voilà une seule personne. Comme ça, là. Les dernières tablettes. Ordinateur. iPad. Ouais. Ma vouwo. Njo. Vas-y, bibe, t'en fais moute. Un gros client, tu vas avoir. Et tu vas... Il va finir ton mari. Comme tu aimes insulter les gens. Hey, hey, fini, tu vois que tu vas la chambre, mon petit dernier. Malène, franchement, ne fatigue pas les gens. Je vais devoir vous laisser. Dites à Malène que j'ai les habits et les chaussures. Parce que moi, je chausse le 37-38. Et je pense qu'elle doit chausser aussi le 37-38. J'ai les chaussures là, je l'offre. J'ai les habits. Parce qu'elle est mince. J'offre les habits à Malène. Les habits de marque, elle-même, elle va voir comme ça. Je te donne ça gratuitement. Sinon, je vais aller faire le contenu payé. Je vais vendre ça à 500. Tu me connais même. Vends même ça à 200. Tu me connais. Parce que de toute façon, je ne veux plus porter. Hein? Donc, ça ne me dit rien. C'est là. Ça m'encombre. Tu vas même m'aider à me débarrasser des affaires. Tu es venu insulter ta petite soeur qui ne t'avait rien fait. Tu l'as dénigrée sur la toile. Je t'avais fait quoi? Je reste parfois... Je dis, hey, qu'est-ce que je vais faire à Malène comme ça, là, jusqu'à... Maman. En tout cas, ma chérie, bon courage. Je comprends. Et ça a la vanité. Ah, attendez, je vis ça. Moi, je le mens pas au moins. Vanité de vanité. Toi, tu n'es pas vanité avec tes diplômes. On ne va pas t'enterrer avec tes diplômes. Dis-moi. Beethoven, le plus grand pianiste, Beethoven. Hein, on l'a, avec son talent, on l'a enterré, non? Donc, vanité de tout. Pourquoi que vanité que pour moi? Vanité aussi pour vous. Ce qui est sûr, c'est ça. Continuez à insulter les enfants. En attendant, on profite. Je peux mourir aujourd'hui, j'aime au moins profiter des jacuzzi. Il y a certaines personnes qui ne sont jamais entrées dans un jacuzzi. Ils ne connaissent pas la différence du spa et du jacuzzi. Moi, je connais. Parce que j'ai ma part de spa ici dehors et des jacuzzi en haut. Jusqu'à deux. Donc, vanité pour les diplômés aussi. Vanité pour les riches. Vanité pour les pauvres. Vanité pour tout le monde. Vous avez compris, non? Parce que quand on m'insulte, vous ne regardez pas. Vous savez le traumatisme psychologique que la bande de ces vieilles chouettes-là m'ont fait. Je n'ai pas envie de la clasher. Moi, je l'aime bien. Parce que si je clash ma laine, elle va avoir honte. Elle veut clasher la qualité qui n'a plus de nom. Je sens que les... Elle veut voir ce qu'on appelle le money. Ma cuine, allez, ma lit, tu vois. Pam, parce que moi, je parle qu'avec preuve. Tic, tic, tic. Je m'en vais à la banque. Je dis que oui. J'ai combien de biens déjà à solder? Combien de biens il me reste à solder? En direct, ils vont me faire quoi? Je suis une cliente. Je paye. Ils sont obligés. Je lance le direct. Vous voyez. En direct. C'est comme ça qu'on clash, le vrai clash, pas les injures. Les injures, ça sert à quoi? Ta maman, ton papa, ça sert à quoi? On fait le vrai clash. On va dans nos banques.
On parle. Ils sont là, on filme. On va aux impôts, on parle, on filme. Là, on sent que tu n'as. Ça, c'est le vrai clash, pas le clash de la saleté. Je l'embête, c'est tout. Bon, mais Doudou, je m'avais versé l'eau. Hein. Mon fils, je pense que bientôt, là, c'est bon. Bisous, je vous aime.